bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau qui lance une semaine inédite. En attendant le carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise repoussée d'une année, l'agglomération du Choletais a troqué les traditionnelles tables rondes proposées sous un chapiteau dédié pour un plateau télé éphémère. Nous sommes ici réunis dans les locaux de la future maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur, qui s'y installera le 1er mars prochain, avec un objectif, éclairer tous les jeunes, leurs proches, leurs familles, les moins jeunes aussi, apporter à toutes les personnes qui se questionnent sur leur avenir des réponses, des pistes, des clés pour avancer en matière de métier, bien sûr, mais aussi de moyens d'atteindre les professions visées. C'est précisément de moyens dont il va être question dans cette émission. Une modalité trop longtemps mal considérée, déconsidérée, qui pourrait bien devenir la voie d'excellence. Je vous parle bien sûr d'alternance et nous allons parler d'alternance au cours des 3 prochains quarts d'heure en 2 fois 20 minutes. Eh bien oui, pour respecter le protocole sanitaire et les distances entre nos invités, eh bien nous vous proposons d'organiser ce plateau en 2 séquences d'une vingtaine de minutes. Voilà, et donc je suis ravie d'accueillir nos premiers invités, EES et ES. À mes côtés, Cécile Brochard, vous êtes la directrice du CEIO. Donc le CEIO, c'est le Centre d'information et d'orientation de Cholet. Bienvenue. Merci. À vos côtés, nous accueillons Nicolas Delaplace, directeur de l'URMA 49, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. C'est surtout le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour Cécile. Bonjour et bienvenue. Bienvenue également à Sandrine, habituée de ces rendez-vous qui d'habitude se déroulent avec un public. Bienvenue à vous Sandrine, directrice du CFA, Centre de formation d'apprentis de la CCI. Bonjour à tous. Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Bienvenue à tous les trois. Alors, ce que je vous propose... peut-être finalement, c'est de revenir sur le point de départ, la définition, dans cette histoire de l'alternance qui s'écrit à 6, voire à 8 mains, celle d'un alternant, jeune ou moins jeune, d'un employeur, d'un centre de formation, mais aussi d'un entourage. Et on va le voir, la famille, elle fait aussi partie de ce cercle pour que tout se passe bien, un cercle idéalement vertueux. Peut-être, il est intéressant d'avoir à chacune et chacun votre définition de l'alternance. Comment vous la définissez, cette façon d'apprendre un métier? Alors, vous l'avez dit, Cécile, l'alternance est une modalité. Hein, c'est une modalité de formation qui permet de préparer un diplôme en même temps qu'on va pouvoir, que le jeune, l'apprenant, va pouvoir apprendre un métier, une culture d'entreprise. C'est un diplôme, et le même, je me permets de le préciser, que l'on peut préparer en temps plein dans un autre établissement scolaire, éducation nationale, enseignement supérieur ou d'autres diplômes, parce qu'aussi en alternance, on peut préparer d'autres diplômes, le CNAM, les titres du ministère du Travail. Donc c'est vrai que c'est un champ très très ouvert qui permet à un jeune ou à un moins jeune de pouvoir effectivement mettre un pied dans la vie active en même temps qu'il va pouvoir construire son projet. Donc c'est une rencontre entre le projet d'un jeune et le projet d'une entreprise qui va s'engager, qui va prendre du temps, parce que c'est un investissement pour une entreprise aussi, l'alternance, pour accompagner ce projet et pouvoir travailler avec le centre de formation à, bien sûr, obtenir un diplôme, mais surtout sécuriser une entrée dans la vie professionnelle. C'est aussi un contrat de travail, c'est important de le préciser, l'alternance. Qui engage hein, les deux parties, le jeune et ses parents lorsqu'il est mineur, également l'entreprise, et qui délègue au centre de formation une partie de la formation de l'alternance. Parce qu'en alternance, il y a deux formateurs, l'entreprise, et c'est le premier formateur, l'entreprise, puisque c'est là que le jeune, l'apprenant, quel que soit son âge, va passer la plupart de son temps. Et bien sûr un centre de formation qui va orienter les apprentissages, alors plutôt sur les aspects théoriques, pas uniquement, mais en y donnant un sens directement relié à la réalité du métier que l'apprenant a choisi, et qui va permettre aussi d'assurer ce lien entre les activités qui vont être proposées dans l'entreprise et qui vont correspondre aux exigences d'un diplôme, d'un référentiel d'examen. Donc c'est vraiment ce lien
dans ce triptyque, hein, ces trois acteurs essentiels, le jeune au centre du projet, l'entreprise et le centre de formation, qui va constituer effectivement le cœur de cette alternance et la réussite, hein, du projet pour un jeune plus globalement. Alors vous l'avez évoqué, on l'a évoqué le triptyque, mais il y a les parents aussi qui ont un rôle essentiel, je pense qu'on y reviendra, et a fortiori au démarrage, hein, parce que c'est aussi un nouvel univers, celui du monde professionnel. Il est important, surtout au démarrage, de pouvoir sécuriser cette entrée dans ce nouveau monde. Alors vous parlez de rencontres, Sandrine, ça résonne pour vous deux, peut-être Nicolas, en termes de définition de ce qu'est l'alternance, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau finalement. Oui, alors effectivement, je pense que la définition a été très, très exhaustive sur ce qu'est l'alternance, a priori. L'alternance, en fait, moi, si je suis le jeune qui souhaite entrer dans une formation, l'alternance, si je ne connais pas ce terme alternance, permet d'imaginer qu'on alterne deux choses. Ces deux choses, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement deux lieux de formation. Ce sont des temps de formation avec des temps qui sont dédiés. On disait la partie plus théorique, préparation en examen, qui est dédiée au centre de formation, à l'organisme de formation d'une manière plus générale, et puis l'entreprise qui va être davantage orientée sur la formation professionnelle, mais également le savoir-être, puisqu'être intégré une formation en alternance, c'est aussi travailler dans l'entreprise, s'imprégner de cet environnement de l'entreprise et donc bénéficier de cette culture de l'entreprise qui est si précieuse pour ensuite intégrer le monde du travail. Alors effectivement, les acteurs, on les a précisés, l'apprenti, l'entreprise, l'organisme de formation et puis les parents sont effectivement surtout pas à négliger puisqu'on a besoin aussi de leur soutien pendant cette formation. Il y a une phase transitoire qui est importante, c'est le passage du statut scolaire au statut de travailleur, hein, de salarié d'une entreprise. Ça ne se fait pas en un clic. Hein. C'est vrai que le contrat de travail, c'est une signature d'un document papier, mais au-delà de cette signature, c'est aussi un changement d'état d'esprit qu'il faut avoir. Et pour cela, il y a absolument besoin de cet appui de la famille pour pouvoir accompagner, qui connaît l'environnement du travail, qui a besoin aussi de soutenir leur enfant. Leur enfant, lorsqu'on parle des jeunes, mais l'apprentissage est également ouvert aux moins jeunes. Merci beaucoup. Alors, la même question avec vous pour terminer, Cécile, sur cette notion de définir de quoi on parle, parce que finalement, chacun peut y mettre des choses différentes derrière ce mot, l'alternance. Alors, effectivement, hein, pour peut-être compléter, même si c'est déjà effectivement ce qui a pu être dit est déjà très large, peut-être ce qu'il faut dire, c'est ce qui souvent est sensible au niveau des familles et des jeunes, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'une de l'apprentissage du métier par l'expérimentation professionnelle en entreprise. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui peut avoir du sens pour les jeunes. Expérimenter sur le terrain, donc un contrat de travail, donc un changement de statut. Alors, il y a des contraintes et on y reviendra, mais d'abord, je veux bien qu'on insiste sur les atouts de cette formation par rapport peut-être à une formation plus classique, à un mode de formation plus classique. Qu'est-ce qui fait que finalement on a une carte en plus, un bonus et qu'on peut parler d'excellence aujourd'hui, plus qu'hier peut-être d'ailleurs. Le bonus par rapport à une formation dite classique, c'est effectivement l'expérience de l'entreprise. Dans le sens où lorsqu'on intègre une formation, on n'intègre pas une formation pour la formation elle-même. Mais c'est parce que derrière il y a cette notion de projet professionnel que l'on souhaite mener à bien. Et derrière, bien évidemment, c'est l'emploi qui est à la clé pour mettre toutes ses chances de son côté pour obtenir cet emploi. Eh bien, il faut aussi convaincre les entreprises. Le parcours permet de convaincre une entreprise. Lorsqu'on suit cette formation en bénéficiant justement de l'expertise de l'entreprise, de son accompagnement, eh bien, finalement, le bénéficiaire de cette formation va pouvoir faire valoir eh bien, ses acquis, pas simplement des acquis techniques, mais aussi, je le disais tout à l'heure, le savoir-être. Voilà, je sais au sortir de ma formation ce qu'est une entreprise, je sais m'adresser à la clientèle, je sais quelle est l'organisation, quelles sont les contraintes d'une entreprise. Autrement dit, aujourd'hui, moi, apprenti sortant d'une formation, vous, entreprise, eh bien, êtes assuré
en me recrutant, d'avoir quelqu'un qui est immédiatement employable. Alors, bien sûr, du bonus, c'est du temps et également des contraintes, parce qu'il faut jongler entre cette posture dans l'entreprise et sa place au sein de l'établissement, tout en assurant, j'ai envie de dire, des deux côtés. Alors, tout à fait, effectivement, le bonus, c'était ce gain de maturité, cette employabilité, effectivement, un peu plus immédiate. Aussi, les bénéfices du contrat de travail, puisqu'effectivement, un apprenti, un alternant, quel que soit son statut, est un salarié d'entreprise et bénéficie donc de tous les avantages d'être salarié d'entreprise. Mais la contrepartie, c'est aussi ce monde de l'entreprise qui est un monde de production, qui est un monde, effectivement, où il y a des rendus, des attendus, un monde d'adultes. Donc effectivement, pas toujours facile. Et deux alternances, deux lieux de formation à gérer. Ça, c'est pas toujours facile. Quelquefois, c'est deux lieux d'habitation aussi différents en fonction de la localisation du centre de formation ou de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un rythme qui, voilà, au départ, nécessite un petit temps d'adaptation et un temps d'accompagnement. On ressent d'ailleurs très souvent, sur les premières semaines, les premiers mois, une fatigabilité certaine des jeunes et des moins jeunes. Après, ça s'apprend, effectivement, et c'est tout le rôle des acteurs qui entourent l'apprenant, de l'aider, effectivement, à prendre un rythme de travail, à pouvoir, effectivement, aussi se reposer. Alors, c'est vrai que quand on est jeune, on sort un peu moins quand on est apprenti, parce qu'effectivement, le lendemain matin, on est au CFA ou on est en entreprise, et donc on est sur le temps de travail, donc il faut être performant. On n'a pas de congés payés. Enfin, on a des congés payés, pardon, mais plus de vacances scolaires. Le lapsus est révélateur. Et ça, c'est pas toujours effectivement évident à intégrer. Voilà, c'est un monde nouveau qu'il faut appréhender, mais avec autant de bénéfices que de contreparties, bien évidemment, pour intégrer l'ensemble de ce nouvel environnement. Je vous ai vu acquiescer sur la phrase « un monde d'adultes ». Mm. Ça, c'est un élément important que vous transmettez quand vous rencontrez des jeunes. Oui, tout à fait. C'est sans doute aussi ça qui est plus fatigant pour eux, dans le sens où, effectivement, il faut s'habituer à rencontrer des adultes, à changer de posture, à être capable d'être à l'écoute, être dans la communication avec l'adulte, ce qui n'est pas toujours simple. Hein, quand je prends pour les plus jeunes, ceux qui partent sur de l'apprentissage dès 15 ans, effectivement, ça demande une autre dynamique. Et peut-être ce que je rajouterais pour pouvoir partir sur l'apprentissage, il faut avoir un projet validé. C'est-à-dire qu'il faut être au clair avec le projet qu'on porte. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que le projet ait été un petit peu expérimenté, soit par un stage, soit par une rencontre, par des entretiens. Parce que parfois, il peut y avoir un décalage entre ce que le jeune imagine trouver dans l'entreprise et la réalité d'une activité professionnelle qui va avoir lieu dans cette entreprise avec des collègues adultes, avec un monde qui va être un peu différent. Un monde différent dans lequel il faut pouvoir être à la fois bien dans les deux aspects et dans les deux rythmes. C'est une question qui se pose d'emblée et j'imagine que les jeunes et leurs familles qui nous écoutent se la posent. Vous la connaissez par cœur. On commence par chercher quoi ? Le centre de formation ou l'entreprise ? On y reviendra certainement avec les intervenants de la deuxième partie. Comment on convainc une entreprise et est-ce que c'est d'abord l'entreprise qu'il faut rechercher ? Enfin, comment sécuriser finalement ce premier pas ? Peut-être, moi je dirais, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on va indiquer aux jeunes et à sa famille qu'il va falloir effectivement trouver cette entreprise, mais qu'il faut aussi se rapprocher des CFA qui, alors ils en parleront mieux que moi, mais ont développé énormément d'actions, d'accompagnement pour pouvoir aider les jeunes dans cette première relation à l'entreprise, ce premier contact. Donc c'est quelque chose qui se fait en parallèle. Et de plus en plus, l'Éducation nationale va mettre en place des outils. Je pense par exemple à Parcoursup, où le jeune va pouvoir indiquer qu'il est en recherche d'apprentissage, qu'il est en recherche d'entreprise. Et les CFA vont pouvoir le contacter aussi pour pouvoir parfois lui proposer des portes ouvertes, des rencontres, des job dating, tout un tas d'actions et de support pour l'aider à trouver cette entreprise. Donc en même temps, mais c'est pas si simple pour être complètement honnête. Alors bien sûr, il y a des outils, mais comment rassurer, comment accompagner au mieux cette recherche double ? Alors, les accompagnements sont multiples. Ils existent dans les centres de formation, en dehors des centres de formation.
pour évoquer la partie organisme de formation. Il existe des équipes, on les appellera des conseillers, des développeurs ou autres, qui vont permettre d'accompagner le jeune dans sa recherche d'entreprise ou avant toute chose, avant de rechercher l'entreprise, je serais tenté de dire, c'est de vérifier le projet professionnel. Parce qu'encore une fois, on ne part pas en apprentissage en disant « je vais aller dans une entreprise ». Non, on fait appel à l'apprentissage parce qu'on a un projet professionnel. Encore aujourd'hui, assez souvent, on rencontre des jeunes qui tâtonnent, qui ont besoin d'être guidés, conseillés, rassurés, qui ont besoin aussi qu'on leur donne la possibilité de tester. Donc il existe des dispositifs également pour pouvoir leur permettre de tester un métier, que ce soit dans un centre de formation, que ce soit dans une entreprise. Dispositif prépa-apprentissage qui a succédé au dispositif d'insertion au métier en alternance est un des moyens pour des jeunes justement en recherche de projets professionnels, de confirmer un projet professionnel, de pouvoir tester différentes possibilités. Donc ces mesures-là permettent de rassurer, de conforter dans un projet ou au contraire de réorienter. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que ça permet de sécuriser. Et cet accompagnement va rassurer le jeune, mais va rassurer aussi la famille. Ça me semble vraiment extrêmement important. Un jeune qui part dans l'apprentissage n'est pas parachuté dans l'apprentissage. Il est accompagné en amont de la signature du contrat. Et c'est important. Sandrine souhaitait peut-être compléter. Oui, en complément, c'est effectivement la clé d'entrée, c'est le projet. Et ça reste le projet. Et bien évidemment, les centres de formation sont là aussi pour guider, accompagner avec un certain nombre d'outils, tu l'évoquais. L'entreprise a un rôle aussi important, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure à travers les stages. Moi, je pense que le contexte n'est pas non plus des plus favorables, même si beaucoup d'entreprises restent ouvertes aujourd'hui pour accueillir justement ces jeunes en validation de leur projet, parce que c'est à travers ces stages, effectivement, qu'on voit si ça correspond ou si ça ne correspond pas. Alors, les centres de formation peuvent effectivement proposer aussi des séances de découverte des métiers, mais c'est vrai que cette rencontre, elle se fait aussi en fonction de l'entreprise, parce qu'un métier, selon l'entreprise dans laquelle on va l'exercer, il prend un sens aussi différent. Et ça, c'est vraiment important. Ça permet de sécuriser aussi l'entreprise, qui parfois a besoin de garanties. Alors, quand on est jeune, quand on sort de troisième, on n'a pas de compétences à valoriser encore. C'est pas toujours facile de montrer sa motivation pour un jeune. Le stage est un excellent moyen de l'illustrer, de l'incarner. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment de favoriser au mieux tout ça en associant les parents pour qu'ils soient aussi des bons guides sans mettre trop la pression sur eux, parce que c'est pas facile non plus l'orientation pour eux. Et en laissant aussi à un moment donné le jeune s'exprimer et prendre un chemin. On ne sait pas si ça sera le bon, ça sera forcément le sien. Donc au final, ça sera le bon. Il pourra construire par étapes ce projet au fil de son parcours et de sa maturation. Merci à tous les trois. Le temps passe trop vite, il nous reste quelques minutes. Et avant d'accueillir, de continuer à parler alternance avec d'autres invités et intervenants, je ne résiste pas à vous poser une dernière question en guise de conclusion. Petit exercice de projection dans le passé. Si on vous disait aujourd'hui, voilà, vous fermez les yeux, on vous téléporte dans votre corps de collégienne au moment de faire les choix d'orientation avec, avec la vie que vous connaissez derrière. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous faites? Je crois que j'essaierai de choisir un projet où c'est l'envie qui prime, quel que soit le projet. C'est un jeune, lorsqu'il s'engage avec envie, il est dans la réussite forcément et c'est l'envie qui compte. Merci beaucoup. Même question pour vous, Nicolas. Vous êtes revenu au collège, fin de collège. On commence à vous dire, et alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Alors maintenant que je cerne un petit peu ce qu'est l'apprentissage, je serais tenté de dire que je me dirigerai sans hésiter vers l'apprentissage, justement parce que derrière, j'ai envie de faire un métier qui me plaît et l'apprendre en mettant toutes les chances de mon côté de pouvoir l'exercer. Donc l'apprentissage, on le disait, c'est la manière de... Une excellente manière de pouvoir faire de ma vie professionnelle une réussite de ma vie tout court. Vers quel métier vous iriez? Vous savez que dans nos secteurs, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent et qui se portent plutôt bien malgré le contexte actuel. Mais dans les métiers de l'alimentation, aujourd'hui, dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, cela recrute beaucoup et ce sont des métiers dans lesquels on peut fortement évoluer. Dans le secteur
de l'automobile, mais il y en a bien d'autres. C'est tellement riche que c'est difficile aujourd'hui de choisir un métier en particulier. Je préfère penser mode de formation et puis terminer et réfléchir encore sur mon projet professionnel. Ouais, sachant qu'on peut toujours rebondir tout au long de la vie en 2021, plus que jamais. Merci beaucoup. La même question pour terminer ce premier tour d'horizon, elle est pour vous, Sandrine. Alors, je ne serai forcément pas objective. Oui, avec du recul, puisqu'à l'époque, quand je suis sortie de troisième, je méconnaissais totalement l'alternance, l'apprentissage. Donc oui, avec du recul, assurément, je choisirai cette modalité. Peut-être pas la sortie de troisième. Je ne sais pas si à 15 ans, j'étais prête vraiment pour entrer dans ce monde adulte. Mais en tout cas, dans le cadre de mon cursus, oui, je pense que certainement, ça aurait simplifié, on va dire, mon immersion professionnelle, ça l'aurait facilité. Après, le choix du métier, j'ai envie de dire, il n'est pas important. Je suis assez ravie des rencontres et des projets que j'ai pu effectivement mener. Et comme vous le disiez, on apprend et notre projet se construit tout au long de notre vie. Donc, on a encore de belles perspectives d'évolution devant nous. Un grand merci à tous les trois. Ainsi s'achève cette toute première partie. On poursuit et on continue à parler d'alternance dans quelques instants avec de nouveaux invités, Jean-Christophe Branger, Hervé Doiglin, Bruno Blanchard et Christine Ario-Elfari. À tout de suite. Et nous voici de retour ensemble. Nous parlons d'alternance toujours pour ce premier plateau de la semaine de l'orientation, enregistré ici dans les locaux de la future maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur. Je suis toujours bien entourée avec de nouveaux témoins, nouveaux intervenants. On va prendre le temps de faire connaissance avec eux, à commencer par mon voisin Jean-Christophe Branger, directeur du CNAM de Maine-et-Loire. Et le CNAM, c'est quoi ? Le Conservatoire National des Arts et Métiers. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. On va peut-être prendre le temps de rappeler de quoi on parle. Jean-Christophe, bonjour d'abord. Bonjour Cécile. Oui, le Conservatoire National des Arts et Métiers, donc grand établissement public d'enseignement supérieur, dont le siège est à Paris et avec des implantations dans toutes les régions de France et un peu plus d'ailleurs. Et donc avec la chance d'avoir un centre CNAM sur Cholet. Et un lieu où l'alternance est également une vraie place. Et un lieu où l'alternance a une vraie place. Sur les Pays de Loire, on est à plus de 1500 élèves en alternance. Ce qui nous permettra de revenir sur le lien entre l'alternance et l'enseignement supérieur, qui n'est pas forcément toujours évident encore pour tout le monde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bienvenue également à Christine Ario-Elfari, responsable adjointe du CFA de l'enseignement catholique de Maine-et-Loire. Bienvenue à vous, Christine. Merci, bonjour. Alors, quelle est cette structure? Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots pour bien cerner ce que vous Alors, le CFA de l'enseignement catholique de Maine-et-Loire, c'est avant tout 6 unités de formation par apprentissage, 6 UFA, dont 3 qui se trouvent sur le territoire de Cholet et des Mauges, puisqu'on a le lycée La Providence, on a le lycée Jeanne Delanoue et le lycée Le Pignet Neuf à Beaupréau. Un vrai débat. Peut-être ça nécessiterait une table ronde. Bienvenue à vous. On reviendra bien sûr avec chacun et chacune sur cette notion d'alternance et votre lien avec un binôme qui est représenté par Hervé Doiglin et Bruno Blanchard. Quelques mots, messieurs. Donc Hervé, vous êtes proviseur du lycée Renaudot. Oui, alors du lycée Renaudot, du lycée de la Mode. Oui. Et puis également du lycée de l'Hérault à Chemillé.
Voilà. Et le lien avec votre voisin ? Tous ces établissements font partie du grand réseau d'établissements du GRETA. Donc du GRETA, CFA, donc centre d'apprentis également du 49. Voilà, encore un établissement de formation représenté au sein duquel Bruno Blanchard, vous êtes conseiller technique à l'apprentissage. Donc vous êtes l'expert de l'apprentissage pour le CFA du GRETA de Maine-et-Loire. Bonjour, oui, bon, l'expert c'est un grand mot. Oui, je suis conseiller donc auprès des établissements, auprès de la DAFPIC aussi, qui est la division académique, la formation initiale et continue, qui porte la politique d'apprentissage au sein de l'éducation nationale, enfin du rectorat. Donc le GRETA CFA 49, aujourd'hui, c'est beaucoup de sites de formation, puisqu'on est amené à développer l'apprentissage dans les lycées et lycées professionnels. Donc les sites se multiplient, on est à plus de 1000 apprenants aujourd'hui sur le département du Maine-et-Loire. Très bien. Alors, vous avez assisté en coulisses à la première partie de cette émission consacrée à l'alternance. On a essayé de définir ce mot pour essayer de voir ce que chacun met derrière. On a parlé rencontre, on a parlé rythme. Est-ce que pour vous, ça résonne de cette façon-là ? Est-ce que vous aviez envie de compléter peut-être cette façon d'apprendre ? Alors, je veux bien commencer. Je dirais que c'est extraordinaire l'apprentissage parce que on apprend à partir de ce que l'on fait, de ce que l'on produit. Et c'est d'ailleurs peut-être la première chose qu'on doit expliquer aux apprentis ou aux alternants qui entrent dans nos centres de formation. Quand ils sont en entreprise, quand ils font, quand ils produisent, ils apprennent avant tout. Et le rôle du CFA, c'est également ça, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont en apprentissage, en train d'apprendre. Et en plus, ils font, ils fabriquent. Et pour eux, c'est un petit peu magique parce que quand ils sortent d'une voie scolaire où on les a souvent assis derrière un bureau et puis on leur a dit « apprends », eh bien, ils trouvent ça souvent extraordinaire et les réussites sont nombreuses. Donc, être dans l'action, on peut rajouter ça dans les définition qu'on a pu avoir tout à l'heure. Peut-être des compléments sur ce mot. Est-ce qu'on peut... Sur le mot apprentissage, enfin pas uniquement apprentissage, oui. Mais alternance, hein, de manière plus générale. Il y a peut-être deux, trois petites choses qu'on peut éventuellement rajouter. Alors effectivement, l'aspect alternance intégrative, c'est-à-dire cette relation qui se tisse entre l'organisme de formation, le jeune et l'entreprise, et c'est une rotation qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre l'entreprise et l'organisme de formation. Ce n'est pas simplement des relations diptyques qui seraient facteurs de rupture. Et donc, l'organisme de formation travaille avec l'entreprise pour que la formation reçue en entreprise, l'apprentissage reçu en entreprise, puisse être retravaillé dans l'organisme de formation. Donc ça offre une vraie continuité dans le parcours pour le jeune. Ça, c'est vraiment un point essentiel de cette démarche d'alternance. Après, je pense qu'il y a un écueil dont il faut qu'on s'éloigne. Je pense que M. le Proviseur ne me contredira pas. Il faut arrêter simplement une chose, c'est d'opposer l'alternance à la formation continue, à temps plein. Oui. Alors, je ne sais plus comment l'appeler, parce que je l'appelais initiale. Initiale. Mais l'apprentissage, c'est de la formation initiale aussi. Je regarde Sandrine en même temps. Qu'on prépare les mêmes diplômes, on a le même niveau. Comme le disait Sandrine tout à l'heure fort bien, l'alternance, c'est une modalité pédagogique. Mmh. Et donc, à une personne va convenir cette modalité, à une autre conviendra mieux une formation peut-être plus encadrée, à temps plein, dans un lycée. Et puis ce biseau avec l'entreprise, cette entrée dans l'entreprise, dans l'univers de l'entreprise, interviendra un peu plus tard. Il y a des questions de maturité aussi qu'on gère sur les profils. Donc voilà, faut juste rester humble par rapport à ça. L'apprentissage, c'est la voie de l'excellence sans aucune hésitation. J'ai aucun problème à le dire, mais la formation à temps plein l'est aussi. Mmh. On travaille avec des humains, donc il n'y a pas un système parfait et unique. Comment savoir qu'on est prêt pour ce système-là, finalement ? Quels conseils on peut donner pour savoir si ça va marcher, si le sens de l'organisation va être assez fort pour s'adapter en permanence ? Oui, Hervé Doiglin. Écoutez, déjà, il faut qu'on casse un cliché. C'est l'idée de dire « je suis mauvais élève, je fais faire apprenti et je vais quitter les rangs de l'école ». Ça, c'est une erreur, c'est vraiment une grosse erreur parce qu'en réalité... D'abord, il ne faut pas avoir des résultats exceptionnels pour être apprenti. On n'est pas obligé d'être non plus le meilleur de sa classe. Mais c'est un engagement, l'apprentissage. C'est un engagement qui nécessite un peu de maturité.
Et puis, quand je parle d'engagement, c'est véritablement partir sur une voie, Jean-Christophe Branger l'a dit, une voie de la réussite. Ça, c'est indéniable. Et on a le droit de se tromper aussi, parce que c'est vrai que c'est une voie sur laquelle eh bien, on va découvrir des choses nouvelles, des choses qui vont nous sembler peut-être complètement en rupture avec ce que l'on faisait avant. Mmh. On garde quand même un pied avec l'école. Oui. Un pied dans l'école, parce que d'ailleurs, on peut faire de l'apprentissage au lycée. Hein. On peut très bien être à la fois ou en statut scolaire ou en statut apprenti. Mmh. Parfois même, on peut commencer en scolaire. Et puis après, partir vers l'apprentissage. Donc, il y a plusieurs choix qui sont possibles, qui peuvent se déterminer doucement à l'issue de la troisième, mais et bien au-delà. On peut démarrer l'apprentissage aussi, peut-être, lorsqu'on a son bac, après, sur les études supérieures, au BTS. Mmh. On peut s'engager dans l'apprentissage voilà, à tout moment, et à tout moment de sa vie. Et on sait même que, dans la formation continue, on voit bien que beaucoup aussi repartent et reprennent le lien avec l'entreprise et repartent sur des diplômes. Et à tout âge, hein, je pense qu'on a le droit de s'engager dans cette voie. Alors, on parle d'âge et de maturité. Pour être très, très précis, est-ce qu'on peut rappeler à quel âge on peut commencer à parler d'alternance, à faire ce choix-là, et jusqu'à quel âge? Parce qu'il y a eu des évolutions, des réformes, des, voilà, de quoi on parle en termes d'âge, de limite? Aujourd'hui, l'apprentissage donc, commence à 16 ans. Plutôt si on a fini le premier cycle de formation, c'est-à-dire si on a fini la troisième, et jusqu'à 29 ans, ce qui est depuis la nouvelle réforme. Donc avant, c'était 26 ans, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on peut aller faire un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans. D'accord. Alors, oui, Jean-Christophe. Mais un autre dispositif existe qui voilà. est le contrat de professionnalisation et celui-là qui est sans limite. Au CNAM, nous avons des élèves qui ont largement passé les 40 ans. Donc au CNAM, on propose de l'enseignement supérieur et l'alternance va aussi très bien avec. L'alternance va très bien avec, de fait, d'autant plus qu'en général, on le fait avec des établissements qui sont nos partenaires, qui ont les filières amont. Hein, c'est le cas notamment de la Chambre de commerce et industrie, où globalement, sur Cholet, on peut démarrer avec un CAP en maçonnerie et terminer aujourd'hui avec une licence professionnelle, voire aller jusqu'au bac plus 4 dans le domaine dans le domaine thermique. Donc ça permet d'offrir aussi une colonne vertébrale complète sur un territoire de dispositifs de formation. Sur Cholet, pour le CNAM, on est sur l'essentiel. Alors on a un bac plus 2, mais autrement on est sur bac plus 3 et bac plus 5 avec le master vente commerce marketing qui est déployé, lui, en partenariat avec les UPEC du lycée Sainte-Marie. Avec à la clé, forcément, le débouché, puisque l'entreprise est partie prenante d'emblée. La notion d'employabilité est toute relative, puisque les gens sont employés avant d'avoir démarré la formation. Donc, en général, ça se passe plutôt bien. Plutôt pas mal. La vraie question qui se passe à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance, c'est plutôt, est-ce que la personne va bien vouloir rester dans l'entreprise pour faire bénéficier cette fois-ci l'entreprise de son savoir-faire et de sa capacité c'est de travail. C'est presque une inversion des rôles. Presque. Par ce lien qui s'est créé au long cours, finalement. Vous souhaitiez préciser quelque chose, Juste Christine. Préciser que l'apprentissage peut même, ou l'alternance, hein, n'a plus, n'y a plus de limite d'âge quand on est en situation de handicap, où là, l'apprentissage est ouvert à n'importe quel âge. Et puis, peut-être aussi casser avec l'image de l'alternance qui mènerait forcément à des parcours assez courts, puisque l'alternance, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui peuvent entrer en CAP et qui ressortent avec des diplômes niveau bac, niveau bac plus 2, niveau bac plus 3, plus 5. Donc, peut-être casser voilà, avec cette image de l'insertion rapide. Ils sont insérés de toute façon à partir du moment où ils signent un contrat d'apprentissage, mais ils peuvent se former jusqu'à... voilà. Il n'y a pas énormément de limites. Pas trop de limites. Et il peut y avoir des parcours discontinus, c'est-à-dire des gens qui interrompent pendant quelques années, qui vont faire une pause, qui vont travailler, quand je dis faire une pause active, qui vont travailler, et puis qui reviennent sur un contrat en alternance. On en a beaucoup dans ce cas-là. De parcours pas linéaires. Le vrai sujet étant de trouver sa voie, parce que maintenant, l'apprentissage, on le trouve dans tous les domaines. Oui. On le trouve dans le tertiaire, dans l'industrie. Tout à fait. C'est important aussi de le préciser. Voilà, oui. On trouve dans tous les domaines. Le tout, d'abord, c'est de définir sa voie, et ensuite... Et oui, trouver l'employeur, trouver le patron. Et puis, bien entendu, l'organisme de formation sera là également pour accompagner. Un mot, alors c'est pas facile, un seul mot. Et après, j'ai une question, vous aurez le droit à plusieurs mots. Qui, selon vous, symbolise la réussite? Un seul mot, c'est difficile.
Et ça reste subjectif, hein, bien sûr, puisque là, on est sur... voilà. Ben, c'est pour vous. L'insertion professionnelle. OK. Très bien, c'est intéressant. Tout à l'heure, on entendait envie. Moi, j'ai parlé d'engagement. Hein. Mm-hmm. Je pense que l'engagement, c'est aussi la réussite. À partir du moment où on est engagé dans quelque chose, bon, on est certain d'aller quelque part. Donc, je pense que c'est un mot important aussi, l'engagement. L'engagement. Merci. Christine, pour vous, la réussite, moi, c'est quoi ? Je dirais que c'est une voie. VOIE, mais aussi VOX. Hein. Souvent, mm-hmm. La réussite, ça peut aussi être une petite voix portée par un employeur, portée par un formateur, portée, qui va nous amener à nous dépasser. Et je dirais que c'est une voix, mais il y en a beaucoup. Beaucoup X de voix pour réussir. Et même, on peut mettre un S. Merci, Jean-Christophe. Le mot qui va avec réussite pour vous. Le mot qui va avec la réussite, c'est le travail pour moi. Tant en amont qu'en aval, c'est ce qui permet d'avoir un travail et c'est ce qui est nécessaire pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans travail. Merci d'avoir joué le jeu pour ce premier tour d'horizon, mais on va terminer comme on a pu le faire pour la première partie de cette émission. Et j'ai envie de vous demander de vous reprojeter au collège ou au début des années lycée, au moment où on vous questionnait sur l'orientation ou au moment où vous vous questionniez peut-être, à moins que les choses étaient très claires, peut-être pour vous. On vous remet dans votre peau de collégienne, de collégien. Aujourd'hui, quel choix faites-vous ? Avec du recul, enfin, à la sortie du collège, je ne pense que je n'aurais pas changé. Je n'avais pas la maturité et on en a parlé plusieurs reprises. Pour s'engager dans l'apprentissage, même si c'est une voie très intéressante, il faut une certaine maturité et je ne changerai pas. Je ne suis pas parti vers l'apprentissage, je suis parti vers un bac et je poursuivrai. Par contre, à mon époque, en tout cas, l'apprentissage n'était pas développé dans l'enseignement supérieur. Et là, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir eu cette opportunité d'avoir pu poursuivre vers un apprentissage. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses pour la suite de mon parcours. Mais après, revenir sur un métier, non, parce qu'on peut aujourd'hui, on peut reprendre des formations, oui, à tout moment, on peut s'orienter à tout moment. À 15 ans, à 18 ans, j'étais loin de penser que j'allais être conseiller technique à l'apprentissage. Très, très loin. C'est ça qui est un petit peu magique dans cette histoire-là. Alors, on va faire le même travail d'imagination. Oui, oui, c'est pour vous. Bien, bah écoutez, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en troisième aujourd'hui, oui, les élèves de troisième qui s'interrogent beaucoup sur leur avenir, qui savent pas. Alors, certains jeunes savent très jeunes, oui, hein, ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y a toute une frange de la population dont j'étais, moi, à cet âge-là, 15 ans. Vraiment, j'avais aucune idée de la direction que j'allais prendre. Et puis, bah, je me suis un peu laissé porter. Et puis, j'ai découvert mon chemin au fil de l'eau. Il ne faut pas paniquer en troisième quand on ne sait pas encore véritablement ce que l'on veut faire, puisque on a parlé de l'alternance, de l'apprentissage. Il y a la voie scolaire, mais il y a l'alternance. Et puis, ça peut arriver à tout moment. Donc, voilà, il faut que le déclic se fasse. Et il ne se fait pas toujours au moment de la troisième. D'accord. Donc, finalement, c'est avancer et puis se dire que les choses vont arriver. Absolument. Il faut prendre le temps de se trouver. Merci beaucoup. Alors Christine, si on se replonge un petit peu en arrière, mais avec la connaissance d'aujourd'hui, ça donne quoi pour vous ? Alors déjà, c'est pas si loin. Hein. Ah bah oui, c'était hier, mais il n'y a pas de souci. C'est un petit peu magique ce genre de question parce que on n'a pas d'entrave, on y va, on se plonge. Oui, pas de censure, voilà, hein. L'imagination. J'aurais pu le préciser. Alors moi, si on m'avait parlé d'apprentissage, parce que on m'a pas parlé d'apprentissage en troisième. J'ai suivi un cheminement assez linéaire. Ça n'a jamais été vraiment un blocage, l'orientation. Donc, j'ai suivi, j'étais assez docile. Voilà. Mais si on m'avait parlé d'apprentissage, sans doute, j'aurais enfilé mes bottes. Et je me serais retrouvée sur un champ de course, certainement. Et pas en tant que spectatrice, comme je peux le faire aujourd'hui. Donc, il y a de fortes chances, j'imagine. D'accord. Donc, auprès des chevaux. Oui, oui, oui. C'était peut-être une passion. Merci beaucoup pour cette confidence. Jean-Christophe va terminer ce tour d'horizon avec un retour dans le passé, futur, dans le temps en tout cas. Avec un retour de 30 ans. Un petit voyage. Et il y a 30 ans, je rentrais à la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire en tant qu'apprenti en CAP, BEP, en cuisine. Et j'y ai fait un bac pro, donc en alternance, pour la totalité de ce parcours avant de faire autre chose dans ma vie. Mais c'est bien la preuve que ces paliers, ces fameux paliers d'orientation, ce métier a été une passion pendant un certain temps
Et puis j'ai fait autre chose. Donc la question va comme un gant, celle-là. C'est vrai. Et si c'était à refaire ? Je refais exactement la même chose. D'accord. Je ne regrette rien. Ça, c'est beau. Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu. Merci pour votre participation. Voilà, j'espère qu'on a pu éclairer, vous qui nous avez écoutés, suivis, éclairer votre chemin et qui, bien sûr, restera pour chacun, individuel, personnel. Vous l'avez bien compris, mais l'alternance ouvre de très nombreuses portes. Merci à toutes et à tous. Ainsi s'achève cette première émission. Rendez-vous pour un nouvel univers professionnel. On parlera de transport dès demain. Merci. Au revoir.